Good morgen, allez, den les tutos aujourd'hui, le Lonishmad, Moriv Rabbi, Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah et Sol Vanish. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Menachot, Perekei, Mishnah Vav. Elu Teunin Tenufa, Ve En Teunin Hagasha. Log Shemen Shel Metzora, Ve Hashamo. Ve Habikurim, Kedivre Rabeliezer ben Yaakov. Ve Mure Shel Meyachid, Ve Chazé Vashok Shelaen. אחד אנשים ואחד נשים בישראל, אבל לא באחרים. ושתי עליכם ושני כבשי עצרת. כיצד הוא עושה? נותן שתי עליכם על גבי שני כבשים, ומניח שתי ידיו מלמתן, ומוליך ומביא, מעלה ומוריד, שנאמר אשר הונף ואשר הורם. תנופה הייתה במזרח והגשה במערב, ותנופות קודמות להגשות. מנחת העומר ומנחת קנאות, תאונות תנופה והגשה. לחם הפנים ומנחת נסחים, לא תנופה ולא הגשה. On avait commencé dans la Mishnah précédente à présenter différentes mitzvot qu'on trouve dans les, de manière générale dans les menachot, mais du coup on va voir qu'on va un peu glisser en fait sur d'autres korbanot, c'est pas très grave. À savoir deux mitzvot singulières qu'on retrouve dans des oblations. Mais parfois on sera imposé de faire une, parfois l'autre, parfois les deux, parfois aucune. Qui sont, c'est quoi ces deux mitzvot? C'est la hagasha et la tnufa. Hagasha, c'est que lorsqu'on reçoit la mincha, avant de commencer à lui faire la avoda, on va d'abord l'amener devant le misbéach, la poser sur le keren maharavit dromit, sur le coin sud-ouest. Pour vous donner, illustrer un petit peu, si on a le misbéach devant nous et plus profondément, en se dirigeant vers l'ouest, donc on a le Kodesh HaKodeshim, ça va être le coin qui va se retrouver derrière la rampe, en face du Kodesh HaKodeshim, entre le Kodesh HaKodeshim et la rampe pour monter, d'accord? Puisque la rampe, elle était Badarom, elle est au sud, et donc ça c'est le coin Dorom et Maharav, d'accord? En tout cas, la Gacha s'est déposée sur le coin, et la Tnufa, c'est le balancement. On va prendre la chose, on va la balancer en avant, et on revient. Et après on monte, et après on redescend. D'accord? C'est la mitzvah de Tnufa, mitzvah de Hagasha. Dans la Mishnah précédente, on avait parlé des menachot qui requièrent la Hagasha et pas la Tnufa. On avait évoqué toutes sortes de menachot qu'il faut présenter dans le mizbeach, mais qu'on ne va pas balancer. La Mishnah, maintenant, notre Mishnah Vav, commence en nous disant « Ve'elu, elu te'unim tenufa, ve'en te'unin Hagasha. » Tels sont les menachot, oblations, où finalement, on va voir qu'on va même parler de korbanot en fait, qui requiert une tnufa, d'être balancée, ve'en te'unin hagasha, mais ne requiert pas d'être présenté sur le misbéach. Comme on avait dit, la guiche, présenter, servir un repas, ça s'appelle qu'on est magiche une arucha, on présente le repas, alors il n'y a pas besoin d'être magiche au tam. D'accord? Donc tels sont les menachot qu'il faut balancer sans présenter sur le misbéach. Premièrement, Log Shemen Shel Metzora va Hashamo. Tout d'abord, le log d'huile du Metzora et son Hasham. C'est-à-dire, lorsque le Metzora c'est le lépreux, une fois qu'il a été Metzora Mukhlat, il a eu le grand degré de lèpre, il a tout un rituel comment se purifier ensuite, ça demande beaucoup de temps, jusqu'à qu'à la fin, il va finir par achever sa purification à l'extérieur du Machane, à l'extérieur de la ville, du campement. Et il va maintenant, pour pouvoir regagner complètement le commandement, il va devoir apporter des korbanot pour devenir totalement pur. Ces korbanot, il y aura en l'occurrence un hasham, le hasham metzora, et aussi il y aura un log shemen. Il y a un rituel à faire où il va falloir égorger le korban, récupérer le sang, l'asperger dans le echal, et puis ensuite prendre de ce sang et lui mettre du sang sur l'oreille, sur l'auriculaire droit et sur le petit doigt de pied droit aussi. Et après, on va prendre de l'huile qu'on va aussi asperger. Et après l'avoir aspergé, on va mettre au même endroit. Là, on avait mis les gouttes de sang. On va lui prendre de l'huile et on va la mettre dans ces trois endroits. Et le reste, on va lui verser sur la tête. C'est ce qu'on appelle le log shemen shel metzora. Enfin, ce log shemen shel metzora. Le log, c'est une quantité d'huile. Vous vous rappelez, escalab, efa, sea, kav, log, beitza. Un log fait 6 beitzim. Si vous prenez qu'un beitza, ça fait 56 grammes. Un log, ça fait 6 fois, donc ça fait
336 grammes, une canette de coca à peu près, à l'époque. Je sais pas aujourd'hui comment ça fait une canette de coca, mais en tout cas, elles ont changé de forme, ça fait longtemps que j'ai plus acheté de canette dans ma vie. Mais en tout cas, à l'époque, la canette, c'est 33 centilitres, c'est à peu près ça. Ensuite, donc, on a log shemen shel metzora va hachamo, donc le log shemen du metzora et son hacham qu'il va falloir balancer. De même aussi, va bikurim kedivre rabbi Eliezer ben Yaakov, aussi les bikurim, les prémices. Les sept fruits d'Israël, lorsqu'on a les premiers fruits de l'année qui pousse, il faut les distinguer, on leur attachait un petit gemi. Les gens disent que c'est un fil rouge, mais je ne sais pas d'où c'est venu ce fil rouge. Dans la Gemara, il y a marqué un gemi. Un gemi, c'est un fil végétal. En tout cas, on prend ensuite, une fois qu'on a ces fruits qui ont fini de pousser, on les cueille, on les amène avec tout un rituel. C'est une merveilleuse maserhet dans maserhet Bikurim. Un jour, on y arrivera, on découvrira comment ça se passait. En tout cas, lorsqu'on arrive avec les Bikurim, qu'on rentre dans le Beth Amikdash, on doit les porter. On les porte sur l'épaule jusqu'à qu'on arrive à l'entrée du Beth Amikdash. Après, on le descend, on le porte dans les mains, on l'amène devant le Kohen. Et le Kohen, il va les balancer avec nous. On va mettre tous les deux ensemble, le propriétaire avec le Kohen, et on va faire le balancement. Donc on va faire la tenoufa, et on monte, on descend bien sûr, mais on ne va pas faire la hagasha, on ne va pas les présenter sur le misbeach auparavant. D'accord? Et ça, ça va que d'après l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov, parce qu'il y a une discussion avec quelqu'un qui dit qu'il ne faut même pas les balancer, apparemment. Je ne sais pas comment ça s'arrange, je ne cherchais pas, j'ai oublié comment ça se passe dans le Bikurim. Mais je ne me souviens pas, je crois que c'est mes forges dans la Torah qu'il faut les balancer, donc je ne sais pas. En tout cas, la Mishnah précise, ça va que d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov. De même, « Ve'emurei shalmei yachid ve'chazev ha'shok shelahen » C'est une phrase entière. Il faut décortiquer tout ce qu'il y a écrit. Il y a les « shalmei yachid », on te demande les « emurim » de « shalmei yachid » ainsi que le « chazev ha'shok » d'eux. « Shalmei yachid », c'est le korban shlamim d'un particulier. À la différence des Shalmei Tzibur, qu'on en parlera ensuite dans la suite de la Mishnah. Les Shalmei Yachid, alors, un Korban Shlamim, il y a une part pour le Kohen, une part pour le Misbeach, une part pour le Kohen, une part pour le propriétaire. La part pour le Misbeach, c'est ce qu'on appelle les Emurim, ce sont les graisses. Ouais, que la Torah précise à chaque fois, à Chalev, à Chalev, Shalaklayot, à Keiva, et la Yoter et à Kaved. C'est les trois parties essentielles qu'il faut avec leurs graisses. Qu'il faut apporter, c'est ce qu'on appelle les emurim, dans le sens qui a été précisé dans la Torah. C'est le mot, ça va du mot amour, emor, machin emar. D'accord? Donc les emurim qu'il va falloir balancer avec le chazé vachok. Les deux parts que l'on va donner au Kohen, ce sont le chazé vachok, le torse de l'animal, c'est la part qui revient au Kohen, ainsi que le shok ayamin, le flanc droit. Et donc on va prendre les emurim avec le torse et avec le flanc. On va prendre ces trois choses-là. Donc une fois qu'on aura égorgé le korban shlamim, et on va les balancer en même temps que le kohen. Qu'il s'agisse de echad anashim ve echad anashim, qu'il s'agisse d'un korban d'homme comme un korban de femme, be Israël avalo ba'acherim, chez un Israël et pas chez d'autres. Voilà la phrase floue qui a été dite. On va distinguer un petit peu. Non, on va dire directement la solution. En fait, il y a un problème de lecture. Il faut lire comme ça. Echad anashim ve echad anashim, sauf que mais Israël, c'est le propriétaire qui le fait, avalo bacherim, pas chez les autres. Et je m'explique. Il y a en fait trois types de personnes qui peuvent apporter un korban shlamim. Un juif homme, une juive femme, et même un goy, il peut aussi apporter des korbanot. Nedarim et Nedavot, le goy peut apporter des korbanot au Beth Amikdash, on les reçoit, on les fait. Maintenant, tous les korbanot, qu'il s'agisse d'un korban de juif, ou d'une femme juive, ou d'un goy, tous les corbanotes requièrent d'être balancés. La question est de savoir qui les balance. Lorsque c'est un homme juif, il faut les deux conditions, un homme est juif, alors le Kohen va balancer en même temps que le Israël. C'est-à-dire, moi j'amène mon corban, le Kohen et moi, ensemble on va attraper le corban et on va le balancer. Alors que si c'est une femme ou encore un goy qui apporte le corban, c'est le Kohen uniquement qui va le balancer et pas eux-mêmes. C'est du de Psukim. Regardez dans le Bar Tanoura, celui qui explique la Mishnah comme ça, comme c'est expliqué dans le Bar. Donc, Echad Anashim, donc il faut lire tout ensemble. Ve Emurei Shalmei Tzibur, Ve Chazev Ashok Shelahem, les Emurim, les graisses du Shalmei Yachid, pas Shalmei Tzibur, les graisses du Shalmei Yachid, du Shlamim qu'un individuel apporte, avec le Chazé, le torse et le flanc, qu'il s'agisse d'un Korban
Echad Anashim ve Echad Nashim, qui s'agit d'un corban d'homme et de femme, avait quand même une différence. C'est que quand c'est Be Israël, c'est avec le Israël lui-même qui va faire son corban, Avalobachrim, pas quand c'est les autres qui sont soit la femme, soit le goy, que dans ce cas-là, ce ne sera pas eux-mêmes qui feront la tenufa, mais ce sera le Kohen. Ushte Alechem, Ushne Kivsa Atseret. Ça va ensemble. C'est les deux pains avec les deux Chalmé, Tzibour de Kivsa Atseret, des deux moutons que l'on apporte à Atseret qui est Shavuot. Soit on continue toujours à parler du rituel des deux pains de Shavuot, qui est deux pains Chametz. La Torah l'impose, après avoir fait tous les korbanot, des moussafim et les korbanot explicités aussi qu'on a déjà évoqués dans notre Maseret, dans Menachot, et ensuite il va falloir maintenant passer à la avoda du pain, au fameux rituel du pain avec les deux pains et les deux shlamim. Il va falloir les amener et les balancer, les shlamim avec les pains. Et la Mishnah m'explique, Keit Sadou, c'est comment va-t-il faire? Noten shte alechem al gabe ishne akvasim, il va mettre les deux pains sur les deux kvasim, sur les deux moutons. Il va mettre ses deux mains en dessous. Imaginez la scène. Deux moutons comme ça qui, dans la partie interne, plutôt, il va les mettre entre les pattes. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Il va les mettre entre les pattes. Il va poser là-bas les deux grands pains. Et il va ensuite attraper les deux moutons. Molir, il les amène droit. Moemevi, il les rapporte. Maale ou Morid, il les fait monter et après il les fait redescendre. Et comme ça, il aura fini la tenufa. J'ai aucune idée de combien de kilos ça peut peser. Je ne sais pas combien ça pèse un mouton. J'imagine peut-être 50 kilos, je ne sais pas, au moins, quoi. J'imagine comme un petit enfant, quoi. Donc voilà, enfin un petit enfant, un gros enfant. Et donc ça fait deux corbanotes, il rajoute les deux gros pains. Et là-bas, et donc il va balancer ça, c'est assez rapide. Il doit faire, donc, retenez comment est-ce qu'on fait la tenufa. Molir Mevi, il envoie, il revient. Et après, il monte, il redescend. Et ça, c'est déduit des psukim qui ne sont pas écrits dans Shavuot, mais qui sont plutôt écrits dans Shemot Raftet. Regardez, on est en fait en Parashat, j'imagine Pikoudé, probablement, ou éventuellement, oui, j'imagine plutôt être Pikoudé, ou concrètement, on raconte comment est-ce que Moshe Rabbeinu, il a fait les Milouim. Et là-bas, la Torah me dit, Asher Hunaf va Asher Huram, qui a été balancé et qui a été levé. Hunaf, le mot Hunaf, ça veut dire qu'il a été balancé, ça veut dire que tu le vas, tu l'envoies, tu le ramènes. Et Ouram, c'est qu'il a été levé, donc tu lèves et tu rabaisses. D'accord? Et de là-bas, on va déduire pour toutes les tenufotes comment est-ce qu'il faut les faire. La Mishnah continue en me précisant. Je traduis d'abord et après j'ajoute la petite précision qui change le sens de la phrase. Littéralement écrit Tnufa Itaba Mizrach va Gasha Bemaharav. Le balancement, on le réalisait à l'est et le fait de présenter tout Corban qui devait être présenté sur le Misbar, on le faisait à l'ouest. C'est-à-dire à l'ouest, comme on avait dit, dans le Keren Maharavit Dromit, dans le coin sud-ouest du Misbar. Maintenant, donc il y a écrit en fait, apparemment, qu'il faut le faire, il faut faire le balancer à l'est, et après partir jusqu'à l'ouest pour présenter. En réalité, non. Le Bar Tanoura, regardez le Bar Tanoura, il nous dit, Klomar, Tnufa et Taba Mizrach, Klomar, Af Ba Mizrach, même dans l'est. C'est-à-dire, on a le Misbar qui est là. La Agasha, elle doit être de plus loin, près du Kodesh HaKodashim. La Tnufa, hein, le fait de balancer, je peux le faire même à l'est. Je ne suis pas obligé de le faire à l'est. Je peux partir à l'ouest, à côté du Kodesh HaKodashim. Le Bartonray rapporte même Kol Sheken She Bemaravo Karo Vyoter La Echal. A plus forte raison que s'il le fait à l'ouest, c'est encore mieux, c'est encore plus proche du Echal. Je ne sais pas s'il y a un intérêt à le faire spécialement à l'ouest. Dans ce cas-là, le Bartonray laisse un peu entendre de la sorte. En tout cas, donc je peux même le faire dans le Mizrach, c'est-à-dire la Tnufa je la fais où je veux. Il y a juste la Gasha que je suis contraint de la faire à l'ouest. À l'ouest, dans le coin qu'on a dit. Utnufot kodmot la hagashot. Et le Bartonor nous précise, toujours le balancement précède à la Hagasha, au fait de présenter sur le Misber. Quelque chose de très étonnant, parce que si on fait attention depuis la Mishnah précédente, je crois que dans le cours précédent je suis même trompé, parce qu'il y avait écrit Agasha et Tnufa. À chaque fois, Agasha, Tnufa, on présente et on balance. On balance, on présente, on balance. En réalité, non, c'était mal dit. Il fallait dire balancer et puis présenter, si on veut garder l'ordre chronologique. On a fini avec le groupe des korbanot qui ont la Tnufa sans la Agasha. C'est-à-dire qu'on balance, mais sans les présenter au Misbeach. Maintenant, la Mishnah vient continuer à me dire, sache que Minchat Aromer ou Minchat Kenaot,
la mincha, l'oblation que l'on apporte au Omer, le 16 Nissan, le deuxième jour de Pessah, avec l'orge, tout le rituel là-bas du Korban HaOmer, alors, ainsi que au mincha Tkenot, la mincha, l'oblation que de la Sota, qu'on a déjà évoqué, la femme qui était soupçonnée d'adultère, elle va devoir apporter tout d'abord une mincha avant qu'on va effacer la paracha et qu'on va lui faire boire les eaux amères, et bien ces deux oblations particulièrement, Teunot, Tenufa, Vahagasha, elles requièrent à la fois d'être balancées et même d'être présentées. D'accord ? D'être donc balancées, il faut faire le balancement, on apporte et on lève, même avec dans la Sota, c'est explicite tout ça dans la paracha, Vahagasha, elle est présentée à au corba, sur le coin du misbère. Et maintenant, donc on a eu, vous rappelez, on a deux paramètres, Agasha et Tnufa, oui, 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 non, non, oui, et maintenant on va prendre c'est qui les non, non, les deux qui ont ni Tnufa, ni Agasha, ni on les balance, ni on les présente, c'est qui? Ce sont Lechem Apanim, Ominchat Nesachim, Lo Tnufa, Velo Agasha. Lechem Apanim, ce sont les pains du Shabbat, le rituel du Shabbat, où tout ça, c'est un statut d'une mincha. Les 12 pains avec les deux kaf, les deux cuillères littéralement, il y avait des manches, les deux cuillères qui contenaient dedans la levona, qu'il fallait les prendre, aller les verser sur le misbéach, parce que ça, c'était comme le komet. Tandis que les 12 pains ont un statut de shir et mincha, et ben sache que cette fois-ci, il ne faut pas balancer les pains. Ni tu les balances, ni tu les amènes sur le coin. Idem aussi pour la Minchat Nesachim. Minchat Nesachim, c'est l'oblation que l'on apporte avec un korban. Lorsqu'on apporte un korban, il faut aussi apporter une oblation de farine avec de l'huile dedans et aussi une oblation de vin. Et bien, sache que ces menachot-là, tu n'as pas besoin de les balancer. Tu les fais monter directement sur le misbéach, tu les brûles tel quel. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.